passez-moi Loomis. Que se passe-t-il, lieutenant? Colonel, il y a une larve sur le dos d'un monstre qui vient d'éliminer tous les hommes en poste au musée. Je demande conseil. Tuez cette larve, protégez le musée. Colonel, ici Panuk. Cette larve, Agorasnaya, il l'appelait Karna. On n'est pas Agorasnaya. Mon armée a tout fait pour le tuer. Colonel. Et le missile lumière, alors? Cadette, laissez donc la stratégie à vos supérieurs. Je ne veux plus vous entendre avant que le monstre de Panuk soit mort et que je... Confidentiel. Mais il y en a un ici, à Alvo. Son inventeur enseigne à l'académie. Ouais, le professeur Elliot. J'ai bossé dans son labo à la Croix avant qu'il rejoigne l'armée. Le missile est alimenté par de l'émulsion raffinée. Plus il y a d'émulsion, plus l'explosion est forte. Ouais. Moi, je la connais bien, votre bombe. Oh non. T'étais à quelle distance du point de chute? Bien trop près. Ce truc est capable de raser la ville entière. Celui-ci a un faible rendement. Après le rayon de l'aube, Elliot n'a plus travaillé dessus. Faible à quel point? Baird, lieutenant. Pour lancer ce missile, il faudrait récupérer la balise de visée, les codes de lancement, activer manuellement le missile sur place et obtenir l'autorisation du commandement. Contrôle, ici Kilo. Bon, nous allons activer le missile lumière et l'utiliser pour tuer le général Karn. Aucune objection? C'est bon pour moi. Très bien, allez cadette. Tu retournes à l'académie. C'est un ordre. Cadette Hendrick, expliquez-moi donc comment on convainc une cadette de la garde Onyx de voler une des armes les plus puissantes de la CGU. J'étais contre, colonel. C'est ça. Va voir papa. Et si tu montrais un peu de respect pour moi et pour l'armée dans laquelle tu t'es engagé? J'ai essayé. Et regarde le résultat. Cadet. Colonel. Je suis une élève de l'académie. Je devais aller voir si mes amis allaient bien. Nous avons emprunté les égouts du musée jusqu'à l'académie. En chemin, je ne cessais de penser à mes camarades. J'espérais qu'ils avaient tenu bon. L'académie était tombée. Mais la balise dans le laboratoire du professeur Elliot allait nous permettre de lancer le missile lumière directement sur Karn. Je n'y étais pas. Mais je sais que mes camarades se sont battus jusqu'au bout. Il n'y a pas de honte à perdre un combat. Crois-moi, j'en sais quelque chose. Il y avait de la distance entre nous et les dizaines de larves tapis en bas. Un vrai stand de tir. Si seulement nous avions eu des fusils à lunettes. Thank you.
ennemis! Ennemis repérés! Ouais, on doit trouver la balise du missile lumière. Après ça, on se casse.